quel plaisir de vous accueillir ici à la rampe pour ce 75e banquet des Chirolles. M'occupe du banquet, tout ce qui est logistique, c'est-à-dire vaisselle jetable, vaisselle dure et tout ce qui est coupe à champagne et tout, et puis pour livrer directement à la rampe. Et alors, comment ça s'est passé l'organisation cette année? En plus, c'est sur 2 jours, donc c'est un peu plus complexe, je pense, que sur une journée. Est-ce que ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très très bien passé parce qu'on a prévu à peu près 800 couverts, 800 personnes par jour. Et toute la vaisselle, ce qui était bien, c'est que la vaisselle était à la rampe déjà pour le dimanche. Ça fait plusieurs années, du coup, que vous êtes sur la préparation du banquet, et je crois que c'est bien la dernière année. Ça va me faire bizarre quand même, parce que depuis 92, je faisais le banquet, et ça s'est fait à Jean Villard. Tous les banquets se faisaient à Jean Villard, et c'est la première année que nous sommes à la rampe pour faire le banquet. Un peu d'émotion quand même. Un peu d'émotion, oui, oui. Ça me fait quand même bizarre de faire le dernier banquet. Je m'appelle Zacharia Chériette, j'ai 18 ans et j'habite à la place Boulmarchais à Échirol. Est-ce que c'est la première année où tu travailles comme ça au banquet des anciens? Ouais, c'est la première fois. Comment ça se passe? Parce que c'est sur 2 jours cette année, donc tu as fait déjà hier je pense, et ça aujourd'hui. Comment ça s'est passé hier? Hier ça s'est bien passé, on a servi, okay. C'était bien, ça s'est bien passé. Et les gens présents, c'est quoi leur réaction quand vous bossez auprès d'eux, que vous les servez, etc., ouais, vous parlez avec eux? Ils étaient très gentils. Ils sont venus nous féliciter, ils nous ont dit ouais, merci beaucoup, vous êtes des bons jeunes. Je m'appelle Yousra, j'ai 18 ans et je travaille à la mairie pour 2 jours. Donc j'ai travaillé hier et aujourd'hui. C'est la première fois que tu travailles pour le banquet des anciens à Échirol? Oui, j'ai commencé hier et franchement c'était simple, c'est bien. Après, moi, je suis quelqu'un de timide, mais c'est bien quand on voit les personnes âgées et tout. On est avenant, donc on vient, on est obligé de sourire et tout ça. Et justement, les personnes âgées que tu as vues hier et que tu vas revoir aujourd'hui, déjà hier, est-ce qu'elles ont apprécié le moment? Est-ce qu'elles t'ont fait des retours en disant que c'était chouette, qu'elles ont bien aimé? Ils ont très aimé, ils étaient très aimables et ils étaient très contents aussi. Et ils ont dit à la prochaine, peut-être, si on se revoit l'année prochaine. Comment ça se passe le banquet des anciens qui cette année est sur 2 jours, donc samedi et dimanche? Comment ça s'est passé la journée d'hier? Est-ce que l'organisation se passe bien et que les gens sont contents d'être là? Les gens étaient ravis, nous aussi, hein, du côté des élus et de l'organisation. Les gens étaient très très contents. C'est vrai que le lieu est différent, un peu plus prestigieux peut-être qu'un gymnase. C'est apprécié, plus cocooning. Et on est à peu près sur combien de personnes qui sont là sur les 2 jours? Ça fait une moyenne de 600 par jour. Hier on était 574 et aujourd'hui 650 attendus. Ça fait des belles... Ça fait des belles tablées. Je suis très contente d'être là aujourd'hui, bien sûr. Et ce banquet cette année, alors, comment vous le trouvez? Le banquet, il n'a pas changé. Le banquet, il est formidable. Toujours bien, un bon repas, une belle ambiance. Le banquet, il est formidable. C'est une journée incroyable, vraiment, ça peut pas être mieux. Et on fait tous nos compliments à la municipalité, Madame le maire comprise. C'est dès le début de l'année 2024 que j'ai pris la décision de mettre en place une mutuelle communale à l'ensemble des Échirolois et Échiroloises. On va remercier aujourd'hui l'écho d'Échirol qui va animer cette journée. En tout cas, merci à toutes et à tous. Maintenant, place à la bonne ambiance, place à la fête.